Déjà vous remercier pour la semaine dernière, pour la vidéo de mon retour. Vous avez été nombreux et fidèles, donc ça me touche beaucoup, ça fait chaud au cœur, donc merci. Je vous écoute et comme vous l'avez compris, on va parler de l'aspirateur qui a déjà vécu 2 ans, donc excusez son usure, ça prouve que je ne l'ai pas utilisé 2 minutes. Présentation de l'aspirateur, il est de marque Inkesa Dust. Il est d'une puissance 200 watts en 12 volts. Et maintenant les accessoires. Un joli sac de rangement. Le socle de rechargement de l'aspirateur. Le branchement 12 volts. Et le branchement de 120 volts. Les tuyaux démontables. Le balai. Le suceur. Et la brosse. Et forcément, l'aspirateur. Il est de taille raisonnable, 40 cm de long. Sur 20 cm de large. Et il n'est pas lourd, seulement 2 kg et 7 g. Équipé d'une batterie au lithium d'une autonomie de 30 minutes et vous avez un réservoir avec 2 filtres. Réservoir, les 2 filtres, dont un filtre avec le grillage et un filtre à particules. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir que je lave les miens. Il est très léger et pratique, surtout avec ses 2 chargements, 12 volts et 220 volts. Surtout en van aménagé, camping-car ou petit studio où l'espace est important. Pourquoi en studio? Car il est fourni avec 2 tuyaux démontables et son embout balai. Pour un petit aspirateur sans fil, c'est vraiment pas mal du tout. Son autre accessoire, le suceur, est super pratique pour les petits recoins. Pour la brosse aspirante, super pratique pour retirer les poils de chien ou de chat sur les tissus. Et avec un dalmatien, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Forcément, comme toute chose, il a un défaut. Son autonomie, malgré de 30 minutes, pour certaines tâches, il a un peu faible. Surtout qu'après 25 minutes de loyaux service, on ressent une baisse notable. Mais bon, ça reste quand même un aspirateur sans fil, forcément limité. Mais ça reste quand même correct. Son rechargement en allume-cigare prend à peu près 3 heures et 2 heures en 220 volts. Pour résumer, ça fait 2 belles années que je l'utilise dans diverses tâches d'aspiration. Et il m'a jamais déçu. Même son manque d'autonomie qui paraît court pour certaines tâches, ça reste un bon aspirateur sans fil. En plus, on peut trouver encore des filtres de rechange, ce qui est vraiment pas mal du tout. Si l'aspirateur vous a plu et convaincu, vous pouvez trouver le lien dans la boîte de description et les filtres pour la même occasion. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et si ce n'est déjà pas fait, vous pouvez vous abonner juste après. À la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.